рекламируем нет так. так я вначале буду говорить Тогда. камере 10 секунд 15 okay. секунд okay. а потом начнем okay. Mm-hmm. Bonjour. Comme vous l'avez dit, je suis maintenant au ministère russe des Affaires étrangères avec moi et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler d'un nombre de sujets, notamment des sanctions, des laboratoires biologiques sponsorisés par le Pentagone en Ukraine et aussi des projets de l'administration américaine d'utiliser les TikTokers dans la campagne de propagande contre la Russie. Tout cela dans quelques instants. Monsieur le ministre, avant tout, je voudrais vous remercier d'avoir trouvé euh, du temps dans votre agenda assez intense pour discuter de ce qui se passe maintenant. Vous êtes un participant direct des événements. Passons euh, directement aux affaires. La première question concerne les sanctions. Les sanctions qui ont été imposées à la Russie sont sans précédent et influencent négativement beaucoup de domaines de vie des citoyens de la Russie, même si Washington précise que ce ne sont pas les citoyens russes qui font l'objet de ces sanctions. Quel est l'objectif des sanctions et qui en souffrent? Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Je pense que le rôle des sanctions est, est bien plus stratégique et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en Ukraine. C'est la quintessence de la stratégie occidentale. En l'occurrence, marginaliser la Russie, euh, l'endiguer et mettre fin au développement de la Russie, mais aussi réduire... Euh, son rôle à zéro dans la politique internationale, dans l'économie, dans le sport, dans euh, la culture, la science, euh, l'enseignement. Et nous constatons aujourd'hui des mesures qui sont prises par nos collègues occidentaux et qui sont tout à fait sans précédent. Une des tendances majeures ici, c'est le souhait des États-Unis qui, ces dernières années, euh, se manifeste de façon de plus en plus évidente euh, de la part de l'administration Biden, c'est cette tendance à donner au monde un caractère unilatéral. Euh, je peux prendre l'exemple, par exemple, de la conception euh, de Tiggle, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, euh, on veut reproduire ce modèle partout dans le monde et je pense que. Euh, L'Europe ici, à 99 a cessé de toutes ses tentatives d'être indépendante malgré les euh, paroles d'indépendance que prononce euh, le président Macron. En ce qui concerne l'Allemagne, on voit qu'elle est tout à fait euh, prête à suivre les instructions provenant des États-Unis et la situation autour du euh, gazoduc nord stream 2 montre exactement euh, la, la situation dans laquelle est l'allemagne vis-à-vis des états unis et euh, ils ont c'est à dire que les américains savent mieux que les européens ce qu'il leur faut pour assurer leur sécurité énergétique et cette euh, pression par la voie des sanctions se poursuit euh, il y a une cinquième vague de sanctions qui nous menace. Euh, il y en aura peut-être d'autres ensuite. Nous sommes habitués à cette situation et je vous rappelle que déjà bien avant la crise ukrainienne, euh, qui a commencé euh, par le coup d'État illégal en 2014, des sanctions avaient été déjà euh, introduites contre nous. Il y avait l'histoire de l'affaire euh, Jackson. Ensuite, il y avait la liste des sanctions Magnitsky. Et ensuite, les sanctions sont passées à une autre phase. Ensuite, il y a eu une autre série de sanctions, comme vous l'avez dit, qui avait pour but de nous punir d'avoir euh, soutenu la loi soutenant les Russes en Crimée et en, et en Ukraine. Donc, je ne vais pas répéter encore cette histoire que j'ai déjà expliquée. Mais vous avez toute la suite de ces événements. Et cette, ce, cette suite de sanctions, euh, comme l'a dit euh, le président Poutine, fait que nous sommes aujourd'hui les champions en nombre de sanctions, avec plus de 5000 sanctions prononcées à titre individuel. C'est presque deux fois plus que le nombre de sanctions qui ont été prononcées contre euh, la Corée du Nord et l'Iran. Mais il faut dire que finalement, les sanctions nous ont toujours fortifiés. Après celles qui ont été euh, déclarées euh, en 2014, quand les pays occidentaux n'ont pas pu euh, manifester euh, une compréhension et accepter euh, la volonté manifestée par les habitants de Crimée et de Sébastopol et avaient soutenu le, euh, le coup d'État de 2014, je, en fait, je vois quand je discute avec mes collègues occidentaux, je les vois utiliser la tactique de, euh, de refus de considérer les événements historiques. Pour eux, euh, tout commence à partir de l'annexion de la Crimée, comme ils disent. Mais si on se souvient de ce qui se passait avant, c'est-à-dire que l'Union européenne n'a pas été euh, capable euh, de faire respecter les accords puisque l'opposition avait euh, rejeté euh, l'accord qu'elle avait conclu avec euh, les autorités euh, sous l'autorité euh, des pays euh, euh, gages, garants. Alors, il y avait euh, Yarosh à l'époque qui, en Ukraine, proclamait une Ukraine sans Russes. Euh, il avait dit que euh, les, les Russes ne, seraient jamais, euh, ne se sentiraient jamais libres en Crimée. Il défendait des personnes comme Shushkevich, Bandera, etc. Et il avait dit qu'il fallait donc chasser euh, les Russes de Crimée. Ces propos. On avait été prononcé bien avant que les Criméens décident d'organiser un référendum. Et donc, il y avait des groupes armés qui avaient cherché à prendre le Parlement de Crimée. C'est comme ça que tout cela avait commencé. Donc, euh, parlons de l'initiative euh, qui avait été prise immédiatement, le lendemain du coup d'État, une décision avait été prise de supprimer le statut de la langue russe comme langue officielle en Ukraine et tous ces instincts se sont manifestés de façon tout à fait concrète dans une politique résolument russophobe euh, et qui euh, continue à occuper l'esprit des responsables politiques. Euh, euh, prenons par exemple les citations de Oleg Tchernibok euh, du Parti radical. Euh, en Ukraine et qui veut mener une dérussification. C'est ainsi qu'il s'exprime. Et pour lui, cette dérussification, ça veut dire que, ethniquement, les Russes ne doivent pas avoir leurs droits, que ce soit dans la langue, dans la culture, euh, dans l'ensemble du pays. Et pour mieux comprendre la situation actuelle, il faut se rappeler des déclarations qui avaient été faites par euh, Zelensky. J'ai déjà dit récemment que les extrémistes extrêmes d'autres avaient demandé à chasser euh, les Russes de Crimée. En septembre dernier, le président Zelensky a dit, a dit si vous estimez que vous êtes russe, que vous voulez parler russe, et si vous voulez être ami, ami avec la Russie, partez en Russie, oui. Il l'a dit il y a quelques mois. Je reviens aux sanctions. Les mesures qui ont été prises par le président, par le gouvernement, sont déclarées petit à petit. Mais ce n'est que. Euh, le début des mesures que nous prenons pour réagir à cette situation. Après les sanctions de 2014, nous avons déjà acquis une certaine euh, expérience en matière de, euh, de, de solutions. Et vous savez qu'aujourd'hui, de, 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 l'ampleur des sanctions est bien plus grande que celle euh, qu'on avait observée après 2014. Et, et les, les, les illusions que nous pourrions avoir sur le fait de compter sur l'aide de des pays occidentaux maintenant sont complètement évaporées. C'est une des conclusions principales aujourd'hui pour la Russie dans le contexte actuel. Je pense qu'on peut dire que la culture russe a déjà l'habitude à faire partie de ce village mondialisé, ça veut dire que les pays sont interconnectés, et les gens voyagent d'un pays à un autre. À votre avis, cela va-t-il changer La vie des Russes va-t-elle changer, étant donné les limitations Comme je l'ai déjà dit, euh, l'évaluation que je peux donner des, des événements actuels euh, témoigne très clairement du fait que les États-Unis veulent un monde unipolaire. Ce ne sera pas du tout un village mondial, ce sera un village américanisé. Peut-être un salon américain où tout le monde danse sur la musique jouée par le plus fort. Et je pense que les États-Unis réussissent aujourd'hui à mobiliser les forces autour d'eux en faveur de leurs intérêts. Les États-Unis réussissent à mobiliser l'ensemble du monde occidental. Euh, on en a un exemple très clair. Si on veut voir l'indépendance, l'autonomie des pays de l'OTAN, et donc tout cela, ça donne une idée de la configuration que veulent imposer les Américains au monde, à l'Union européenne, et, et il y a des acteurs dans le monde qui euh, refuseront toujours d'intégrer euh, le village mondial euh, sous l'autorité du shérif américain. Ce sont euh, l'Inde, la Chine, euh, l'Iran, d'autres pays. Ce sont des pays qui, qui ne se laisseront pas euh, mener par le bout du doigt. Et je pense que la Russie euh, n'est pas du tout un des pays euh, prêts à suivre cet ordre du jour américain. Par exemple, quand les Américains, les Européens, les pays occidentaux disent que la Russie a subi un échec à l'Assemblée générale de l'ONU parce que tout le monde a, volé, a voté contre la Russie, c'est une erreur. Parce que si vous regardez la population qui est représentée par les pays qui n'ont pas condamné la Russie, et si vous regardez aussi. Le nombre des pays qui ont mené, qui ont adopté des sanctions contre la Russie, vous voyez que euh, qu'ils qu l'ont fait sous le, la pression des Américains, euh, sous le chantage. Je le sais que des menaces concrètes ont été adressées euh, à des responsables occidentaux concernant euh, leurs enfants qui font des études, leurs comptes en banque, etc. Donc, donc, c'est un chantage, un chantage sans précédent, c'est une pression sans précédent et essentiellement immorale. Donc, les pays qui ont été euh, n'ont pas suivi euh, cette démarche occidentale, qui n'ont pas condamné la Russie, euh, représentent en réalité une part de la population mondiale qui est très importante. Euh, pour eux, ce serait un prix trop cher à payer de suivre. Or, euh, cette propagande occidentale a été menée de façon ouverte. Nous sommes toujours prêts à travailler avec tous ceux qui sont prêts à coopérer sur la base de, du respect mutuel, de la recherche d'intérêts mutuels avec les pays orientaux, par, par exemple. Et les pays d'Asie sont aujourd'hui beaucoup plus prêts à travailler avec la Russie dans cette optique et nous sommes tout à fait prêts à répondre dans la réciprocité. Nous ne fermons aucune porte à l'Occident. C'est l'Occident lui-même qui ferme les portes et nous sommes toujours prêts et ouverts à toute discussion. Nous verrons ce qui sera proposé en matière de coopération, mais nous garderons à l'esprit ce qui s'est passé, c'est-à-dire que nous sommes prêts à travailler, mais garderons à l'esprit ce, euh, qui, ce qui a été fait. On gardera en tête le fait qu'ils ne sont pas toujours fiables. Maintenant, je voudrais choisir un autre sujet. Il s'agit des laboratoires biologiques sponsorisés par l'Amérique. Vous avez toujours attiré l'attention à cela. Et je sais que des documents ont été récemment publiés, signés par des responsables américains. Pourquoi le monde ne prête, ne prête pas assez d'attention à ces laboratoires biologiques? Et est-ce que Washington et l'Occident seront responsables pour ce qu'ils font? En fait, c'est intéressant, oui. Vous savez que c'est très curieux de voir que l'opération euh, militaire spéciale lancée par le président russe a permis de découvrir beaucoup de choses intéressantes, des preuves qui nous permettent de comprendre ce qui se produit actuellement. Euh, tout récemment les militaires russes et ceux de Donetsk et Lugansk ont découvert, découvert des documents émanant de l'état-major ukrainien qui témoignent directement de, du fait que l'Ukraine préparait une offensive massive, massive sur les républiques du de, de Donbass. Et je dirais que la Russie a devancé cette euh, opération. Qui a donc été planifié. Il prévoyait justement ce qu'il n'avait pas pu faire par en ne respectant pas les accords de Minsk, c'est-à-dire saisir les territoires dans lesquels ils avaient procédé à une effusion de sang avec tout. Tous ces bombardements qu'ils avaient faits pendant huit ans. D'autres documents ont été découverts, et notamment euh, concernant l'activité de laboratoires chimiques et biologiques en Ukraine sous l'autorité des États-Unis. Ce sont des documents qui, qui sont signés par des responsables politiques ukrainiens et américains. Et dans ces laboratoires, qui étaient partout dans le monde, ils sont au nombre de plus de 300 dans beaucoup de pays. Et ils sont exactement sur le périmètre. Euh, de, des frontières de, euh, de l'ex-URSS et notamment en Ukraine. Et donc, il y avait des projets très importants pour le Pentagone et qui organisaient donc cette activité. Euh, et il y a notamment une, une, une agence de réduction des menaces et c'est elle qui assurait le suivi de ces laboratoires. Sur, avec des travaux sur la peste, la fièvre et d'autres maladies de ce type. Tout cela est très dangereux et je, je considère cela comme révoltant. Nous savons qu'ils ont fait des expériences avec des infections potentielles qui peuvent être euh, orientées vers des groupes ethniques vivant dans l'Est. Euh, de l'Ukraine le long des frontières de la Fédération de Russie. Euh, et ça fait euh, 20 ans, déjà en 2001, nous avions proposé euh, aux pays qui travaillaient sur euh, l'interdiction des armes chimiques pour mettre en place un système de vérification de ces procédures. Et la Convention elle-même euh, proposait donc des consultations. C'est-à-dire que si un pays membre a des suspicions euh, concernant l'activité de laboratoire dans tel ou tel pays, il fallait qu'il y ait des consultations et s'il y avait des preuves euh, importantes, à ce moment-là, devait être lancé un mécanisme D'enquête. Mais ce mécanisme n'existe pas et nous voulions justement mettre en place un tel système qui assure une transparence dans l'activité de recherche en matière biologique. Et il y a quelques années, les Américains avaient décidé que c'était trop dangereux euh, d'expérimenter tout cela sur leur propre territoire Ils avaient décidé de délocaliser ces recherches dans d'autres pays. Et de plus en plus, ils avaient concentré leurs expériences, leurs recherches sur des territoires situés autour des frontières de la Fédération de Russie. Nous allons donc insister pour que cette question de mise en place d'un tel mécanisme soit mise à l'ordre du jour. C'est une question de sécurité importante dans la mesure où c'est une menace pour l'ensemble du monde. Et ces rencontres au niveau de la sécurité ont été initiées, initiées par la Russie. Et justement, le 18 mars, nous insistons sur l'organisation de négociations pour la signature d'un protocole obligatoire de la Convention d'interdiction des armes chimiques pour obliger à plus de transparence pour tous les pays membres. Et je suis. Absolument convaincu que les Américains vont se prononcer contre, mais euh, c'est une position euh, qui est indéfendable. Et je pense qu'il y a de plus en plus de pays qui sont conscients du danger représenté par ces euh, opérations. Revenons au rôle américain. On a parlé beaucoup du fait que Zelensky a appelé à livrer des armes dans ce pays, a créé une zone d'exclusion. Euh, aérienne sur l'Ukraine, mais Joe Biden a dit que ça ne pourrait pas se passer parce que cela, sans aucun doute, menerait à une guerre entre la Russie et l'OTAN, notamment les États Unis. Pourquoi l'Ukraine cherche aussi désespérément de passer à un scénario pareil? Il me semble que l'Ukraine comprend que qu'est ce qu'on puisse penser des déclarations de Joe Biden et je pense que les ukrainiens comprennent bien qu'il est absolument exclu de créer de mettre en place une zone d'exclusion aérienne de livrer des armes à l'Ukraine et entreprendre d'autres mesures qui pourraient provoquer une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie et le président zelensky le comprend bien il y a aussi des responsables politiques États-Unis qui comprennent bien, euh, qui, euh, ce, qui craignent un petit peu le, le, ce lobby euh, belliciste en Ukraine. Comme vous le savez, régulièrement, ils adoptent des euh, résolutions condamnant la Russie, et il me semble que Zelensky espère que tout cela incitera le président américain à une logique de confrontation. Nous avons clairement fait comprendre que toute menace, euh, tout chargement qui pourrait venir sur le territoire de l'Ukraine, qui, qui sera euh, un chargement d'armes, sera pour nous une cible directe. C'est très clair. Nous menons actuellement une opération dont l'objectif est de, euh, de, de, de supprimer toute menace pour la Fédération de Russie. Cela fait partie de notre proposition que nous avions euh, faite en décembre dernier, c'est-à-dire discuter des garanties de sécurité avec l'OTAN et qui auraient été codifiées sur la base des accords précédents. Il euh, y a cette formule importante qui est qu'aucun pays ne peut assurer sa sécurité aux dépens de celle des autres. Ils connaissent déjà notre position. Le deuxième point, nous discutons aussi de la défense antimissile et sur la barre de considérations euh, pragmatiques, euh, ils considèrent qu'on peut demander aux membres euh, de l'OTAN. Euh, de participer à la défense antimissile. Encore une fois, je dis que cette idée, il faut regarder que les systèmes soviétiques, les systèmes d'armes soviétiques de défense antimissile et aujourd'hui de production russe, se trouvent conformément aux accords qui ont été signés entre les différents pays. Donc il y a des certificats d'utilisateurs qui ont été délivrés pour ces armements et. Euh, ces certificats, faut que nous ne pouvons pas les déplacer dans d'autres pays. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, il y a des normes euh, qui ne sont pas toujours respectées par euh, les pays occidentaux, puisqu'ils ont déjà euh, supprimé un certain nombre de principes, euh, tels que le principe de la présomption euh, d'innocence. In, euh, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que euh, ces valeurs. Euh, euh, libérale qui, depuis euh, des décennies euh, diverses, en tout cas, euh, nous ne permettrons pas l'apparition de tels risques. Nous ne permettrons pas euh, euh, encore une fois l'objectif de notre opération est d'assurer une sécurité pour la population qui a été euh, soumise à des bombardements pendant toutes ces années. Et donc nous voulons donc une démilitarisation de l'Ukraine. Pour que de ce territoire, il n'y ait aucune menace qui émane en direction de la Russie. Euh, encore une fois, nous sommes pour que tout cela soit intégré dans une sécurité collective. Ça fait de nombreuses années que nous proposons cela. Il y a aussi l'objectif de dénésification. C'est notre exigence inconditionnelle. Euh, on voit que tous ceux qui encouragent. Euh, l'idéologie néo-nazie et nous voulons aussi la suppression de tout texte législatif encourageant euh, les persécutions contre la population russophone. Et cette population a fait l'objet de discriminations très très fortes en Ukraine. Maintenant, je voudrais passer à cette guerre d'information. Il y a quelques jours, la Maison Blanche a eu un point de presse avec des TikTokers américains populaires, en leur euh, parlant des nouvelles rhétoriques anti-russes qu'il fallait propager. Que pensez-vous de cette nouvelle méthode, technique de propagande Normalement, ils accusent la Russie de désinformation et de ce genre de tactique. Oui, euh, nous sommes un acteur tout à fait modeste sur le plan de la guerre médiatique. Dans le champ médiatique international, les médias américains et anglais... Ont une place euh, dominante ils sont suivis aussi par euh, les médias euh, allemands et francophones après il y a la qualité euh, de l'information qui est fournie par euh, ces euh, grands médias prenons par exemple CNN ils préfèrent éviter euh, d'écrire des articles d'analytique, c'est simplement des faits euh, qui sont cités, la, la Russie est la Russie assassine la population civile. La Russie utilise le doping dans le sport. Si on parle de TikTok et d'autres euh, plateformes d'échange, Washington en réalité euh, s'adresse aux enfants parce que en général, ce sont des, des jeunes, des, des, des jeunes garçons, des jeunes filles qui utilisent cela. Donc, c'est très facile de leur laver le cerveau. Euh, cela est profondément malhonnête et euh, laid. Et si vous voulez participer à la concurrence médiatique, informationnelle, euh, s'il y a une concurrence entre les médias, je, il faut de certaines règles. Je vous rappelle, euh, en 1990, quand le RSS, euh, était encore dans le domaine de la euh, réflexion sur les euh, valeurs humaines euh, générales. Nos collègues occidentaux de l'OSCE étaient euh, très actifs dans la promotion. Ils étaient soutenus par euh, les autorités soviétiques. Euh, la promotion d'un certain nombre de documents sur la liberté d'expression, de, sur l'accès à l'information, et il y a un consensus qui a été adopté au sein de l'OSE. Aujourd'hui, euh, votre chaîne euh, Sputnik aussi, d'ailleurs depuis de nombreuses années, euh, ont été euh, euh, interdits à, de participer, par exemple, au euh, palais de l'Elysée à Paris. Nous avons attiré l'attention de nos collègues français sur le fait que c'était une infraction aux règles de l'OSCE. Ils avaient dit que le droit de l'information n'était applicable qu'aux aux, aux médias et que euh, RT et Sputnik n'étaient pas des médias mais des instruments de propagande. Et donc, euh, c'était donc une infraction euh, claire euh, aux règles de liberté d'expression. Récemment, à Londres, il y a eu justement une conférence sur la liberté d'expression. Nous n'avons pas été invités. Les médias russes n'étaient pas invités. Nous euh, connaissons toutes ces astuces utilisées par les pays occidentaux en matière de guerre médiatique. Euh, nous savons très bien qu'il n'y a pas d'indépendance de la presse. Euh, il n'y a peut-être que Fox News aux États-Unis qui cherche à proposer euh, des opinions un peu alternatives. Si on regarde les autres euh, médias, si on, on regarde ce qui se passe dans les réseaux sociaux, sur les plateformes Internet, on, on voit par exemple que le président euh, en vigueur. En exercice ça a été censuré aux États Unis, par exemple, on a une idée de l'ampleur de cette guerre médiatique. Donc le remplacement des principes, des idées quand quelque chose se passe, par exemple des manifestations de masse qui ne plaisent pas, tout cela est présenté comme du terrorisme intérieur. C'est une guerre. Et donc, les méthodes de, de terrorisme médiatique sont utilisées dans cette guerre de l'information. Un exemple intéressant, c'est que, par exemple, hier, quand euh, le magazine Bild euh, en, en Allemagne a publié un article euh, disant que moi, votre humble serviteur, euh, mercredi, je suis parti de Moscou en avion pour rejoindre la Chine, mais que. Autour de Novosibirsk, mon avion a dû revenir, soit parce que Poutine m'a dit de revenir, soit parce que les Chinois ont dit qu'ils ne voulaient pas parler avec moi. Oui, bien sûr, c'est euh, un tabloïd et ce genre d'informations, de fausses informations, circulent chez des millions de personnes. Donc c'est très regrettable que cette méthode soit utilisée dans le domaine de l'information par nos amis. C'est tout à fait injustifiable. Par exemple, euh, euh, c'est pas pour rien que le président Poutine utilise l'expression l'empire du mensonge. On sait que le conflit ne durera pas jusqu'à euh, la fin, euh, ne sera pas interminable. Quel sera l'avenir des relations russes ukrainiennes après le conflit Nous n'avons pas de questions. Euh, euh, contre euh, le peuple ukrainien. Ce, ce, nous, avons, nous sommes deux peuples très proches, euh, parents dans le domaine culturel. Quasiment tous les Ukrainiens euh, parlent russe, et, ou s'ils ne parlent pas en tout cas, ils le comprennent. Nous avons une culture en commun, une histoire en commun, une perception de la vie, euh, des traditions familiales dans notre société. Et il me semble, en tout cas j'espère, que cette situation anormale prendra fin, que nous retrouverons euh, l'ordre normal. Cela va se faire petit à petit, ça me pourra ne pourra pas se faire rapidement, mais les efforts de nos collègues occidentaux tendent à faire de l'Ukraine une anti-Russie en utilisant différents instruments. Et comme l'a dit Vladimir Poutine, ces instruments sont connus, on les connaît depuis longtemps. Ils ont été enracinés assez profondément dans la, dans la société ukrainienne, notamment dans la jeunesse, après l'effondrement de l'Empire soviétique. Et donc, ils ont été endoctrinés euh, gravement. Donc, euh, des approches systémiques ont été. Utilisée. on a formé des officiers euh, sur la base d'idées euh, radicales, celles de Chouchkevitch et Bandera, tout cela était fait dans l'optique de faire en sorte que ces gens n'aient jamais une attitude amicale envers la Russie et que les humeurs nationalistes soient utilisées pour renforcer euh, la structure de l'État et dans cet euh, objectif, il euh, y a toujours eu la volonté que l'Ukraine ne soit pas amie avec avec la Russie. C'est ce que disait déjà Brzezinski euh, dans les années 70. C'est que une, une Ukraine amie de la Russie c'est très néfaste. Et donc cette conception s'est enracinée profondément chez, dans la classe politique américaine. Donc il va falloir du temps pour se débarrasser de cela, de cet héritage négatif. Même actuellement, aujourd'hui, quand l'armée ukrainienne euh, se bat et cherche à faire durer en longueur. Cette crise, cela se fait parce que les dirigeants ukrainiens, à l'aide de conseillers américains et d'autres, par exemple, occidentaux, ont formé l'armée de telle façon, en utilisant euh, justement ces éléments euh, extrémistes euh, adeptes de Bandera, pour qu'ils di qu aient des rôles euh, dirigeants dans... Euh, L'armée et ses officiers théorisent ceux qui euh, considèrent que, euh, et, et que l'idéologie est essentielle. On a vu ici euh, ce qui s'est passé à Mariupol. Donc, des, des dizaines de témoins qui ont pu échapper à l'enfer de Mariupol ont raconté que euh, ces gens-là, euh, de, qui, qui sont à la tête des, des, des unités ukrainiennes, euh, on, procède, on fait cela. Donc, euh, la proximité de, de nos deux peuples frères, j'espère qu'elle triomphera finalement. Et voilà. Merci, M. Lavrov, d'avoir partagé votre opinion avec nous. C'était une bonne discussion. полу лежит. Спасибо вам тогда. И вам спасибо. Очень приятно было познакомиться. Хорошо.